Bienvenue chez nous. Donc cette semaine, écoute, c'est l'automne, donc on est un petit peu plus frisquet. On a décidé de faire une activité qui est vraiment spéciale. On s'en va faire de l'observation à l'ours noir avec Charles. Donc explique-nous, c'est quoi qu'on s'en va faire après-midi? On va tout simplement se confondre dans le décor. On va aller dans un observatoire qui est sur le bord d'un petit lac, puis par la suite, on va tomber en silence total. Oh oui? Donc, okay. Vraiment, il va falloir faire le moins de bruit possible. Puis, je vous dirais qu'au bout de 10-15 minutes, là, toute la nature reprend vie autour de nous. Les castors se promènent devant nous. On voit des martins pêcheurs qui plongent, prendre des poissons. Et normalement, je vous dirais qu'à mi-parcours, là, les ours là, devraient se pointer le bout du nez là, juste devant nous. On fait 15 minutes en forêt. Ouais. Dans le transport, on discute un petit peu de tout. On discute de la biodiversité, bien sûr, du comportement des ours. Par la suite, on arrive là-bas. On est sur le bord d'un petit lac. C'est un lac qui a vraiment été aménagé par les castors. Pour que ça soit plus facile pour eux d'aller chercher toutes leurs réserves de bois, donc couper le bois qu'ils vont servir pour se nourrir, pour faire leur cabane et leur barrage de castors. Donc on s'assoit tout simplement dans l'observatoire, en silence le plus possible, puis on attend que le spectacle débute devant nous. L'observation de l'ours noir, ça fait maintenant 4 ans que c'est en opération. J'adore ça, c'est vraiment quelque chose de relaxant, c'est paisible. Donc Charles, parle-nous, c'est quoi ton entreprise, c'est quoi son nom, c'est quoi les activités que tu fais? Puis parle-nous un peu de ton parcours, ta bio d'entrepreneur. Ben, l'entreprise, c'est Pêche Blanche Lac-Saint-Jean. À prime abord, là, je suis un accro de la pêche, donc j'ai réussi à en faire mon métier. Ça fait 13 ans que je suis dans le domaine. J'ai fait un diplôme d'études professionnelles en protection et exploitation de territoire faunique. Grosso modo, là, c'est guide de chasse et pêche et plein air. J'ai développé l'entreprise Pêche Blanche Lac-Saint-Jean, qui est en opération depuis maintenant 6 ans. Ça va super bien. On a une bonne clientèle régulière. On est une équipe de crinqués de pêche. Là. J'ai des employés là, qui sont en or. On a vraiment beaucoup de plaisir sur le lac. C'est un tout, la pêche blanche. Hein. C'est la motoneige, c'est le grand air, c'est le plein air, les températures froides, c'est le poêle à bois à l'intérieur. On fait cuire le poisson directement sur place. OK, là, directement sur les lieux. Un bon petit filet doré là, sur le poêle à bois en plein milieu de la glace. Vu que j'aime beaucoup là, le touriste et j'aime faire découvrir les choses aux touristes qui viennent ici, je vais offrir des croisières avec un bateau de pêche sur le lac Saint-Jean. Puis des historiques et scientifiques, je dirais. Parle un petit peu justement de la formation du lac avec les glaciers, les eaux couleuvres avec les minéraux, le corail. L'observation de l'ours noir, c'était une activité différente, c'était une activité silencieuse. Sincèrement, Philippe et moi, on a vraiment capoté. Le fait de voir des ours noirs en liberté complètement sauvage aussi près de nous, c'était vraiment impressionnant. Le fait aussi de ne pas pouvoir parler, ça l'a ouvert tous nos sens. Et vraiment, on était tellement connectés avec la nature. Alors, on remercie sincèrement Charles Dufour de nous avoir offert cette activité d'observation de l'ours noir et on a vraiment hâte à cet hiver d'aller faire de la pêche blanche. Les liens sont dans la bio. Ne manquez surtout pas nos prochains vlogs. Abonnez-vous, mettez des commentaires et partagez. Facebook, Instagram, YouTube. Bye!